Bonjour. Merci d'être présent. Donc, nous allons commencer aujourd'hui notre visioconférence pour vous présenter le BTS Services et Prestations des secteurs sanitaires et sociaux du lycée Jeanne Delanoue de Cholet. Nous vous informons qu'il y a un enregistrement automatique de cette visioconférence. Que cette visioconférence pourrait être rediffusée donc sur le site internet. Vous ne disposez pas ni de micro ni de caméra, donc vous ne pouvez pas prendre la main non plus. Voilà. On va se présenter rapidement et ensuite on va vous présenter un PowerPoint. Donc Madame Esnard, je suis enseignante au lycée Jeanne Delanoue également en BTS SP3S et coordinatrice de la filière. Et puis ma collègue. Donc Dominique Arnoux, je suis enseignante en BTS en gestion. En gestion, voilà. On vous présente le diaporama. Une formation qui est organisée sur 2 ans, avec des enseignements généralistes et des enseignements spécifiques. L'enseignement en classe donc, permet à l'équipe enseignante d'assurer la validation et surtout l'acquisition d'une solide culture sanitaire et sociale. Avec donc, en enseignement généraliste, le français, l'anglais. Nous n'avons plus de maths, plus de biologie, plus de sciences physiques au sein de cette formation. Et néanmoins, cet enseignement spécifique que nous vous présenterons tout à l'heure. La particularité du BTS SP3S est également de permettre à nos jeunes, donc aux étudiants, de réaliser 13 semaines de stage sur les 2 ans, en première année 6 semaines, en deuxième année 7 semaines. Au-delà de ces périodes de stage, ils bénéficient également d'heures d'action professionnelle à raison de 2 heures par semaine. Alors, on va vous présenter les fonctions du technicien SP3S. Le titulaire du BTS, Services et Prestations des secteurs sanitaires et sociaux, participe donc à la réalisation des missions des établissements et services sociaux, sanitaires et médico-sociaux. Nous vous présenterons tout à l'heure les différents types de structures au sein desquelles nos étudiants SP3S peuvent réaliser leur stage, mais également travailler à la suite de leurs études. Ces techniciens SP3S sont essentiellement formés à des compétences méthodologiques, administratives et relationnelles au service donc de public, soit demandeurs de soins dès lors qu'ils sont en établissement de santé, de service dès lors qu'ils sont dans des structures de services à la personne, voire de prestations sociales pour tout ce qui est organisme de protection sociale, CAF, CPM, EMESA, URSAF, CARSAT et autres structures, ce qui leur permet donc de travailler en grande proximité soit avec les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et assistantes sociales, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, voire les partenaires institutionnels. Dans ce cadre donc de leur intervention, aussi bien en stage que dès lors qu'ils sont insérés dans le milieu du travail, ils vont procéder donc à l'analyse des besoins des usagers, des clients, des patients, des allocataires, des usagers, des établissements et services sociaux, médico-sociaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de par les besoins recensés par le technicien SP3S, il devra être en capacité de faciliter l'accès au droit soit à des prestations sociales, soit des prestations autres, et puis également de proposer des services et des prestations, ainsi que d'assurer la coordination et l'animation des équipes. Alors, un exemple concret, un technicien SP3S qui poursuit ses études en licence pro coordination gérontologie peut être amené à travailler dans une structure de service à la personne, être amené également en tant que coordinateur gérontologique à réaliser des études de besoins liées aux besoins de la personne âgée, permettre donc la coordination des prestations dès lors qu'ils sont assurés et mis en place pour un maintien à domicile, et puis animer les équipes, par exemple, d'aide familiale ou alors tout simplement d'aide ménagère. Voilà, donc ça c'est un exemple.
On va resituer donc les quatre fonctions principales liées à la formation technicien SP3S que l'on tend à développer chez nos jeunes au cours de ces 2 années de formation. Alors, quatre grandes fonctions principales: organiser, promouvoir les activités de la structure, organiser, gérer et animer les équipes, gérer la relation, la communication avec les publics, gérer la demande et le besoin de l'usager. Alors là, concrètement, au travers de ces quatre grandes compétences et fonctions principales du référentiel d'action professionnelle et de savoir associé du BTS, il faut bien se rendre compte que les finalités de ce BTS sont essentiellement administratives. Ça, c'est primordial de prendre conscience que tout ce qui est action et activité de soins, d'accompagnement et de soins, on n'en fait pas en BTS SP3S. Hein. Nous avons, par exemple, de la participation à la gestion comptable. On peut réaliser et participer à une démarche de projet, à une démarche qualité au sein des établissements de santé ou alors d'établissements socio-médico-sociaux. On peut être amené à accueillir, informer les usagers, collaborer avec d'autres professionnels, avec des partenaires, participer avec des réunions de services, ou alors tout simplement traiter la demande et le besoin donc des usagers en lien avec l'offre de services des structures au sein desquelles ils réalisent leur stage ou ils travaillent. Nous avons donc ces quatre fonctions principales, il y en a plus d'une dizaine après au niveau des savoirs associés. Ce qui m'amène à vous présenter maintenant donc les différents modules. Alors, on a évoqué les deux enseignements généralistes français et anglais qui se suivent donc sur les 2 années. On a maintenant donc des modules plus spécifiques, module A, donc institutions et réseaux. Là, on est plus sur tout ce qui est connaissance d'institutions, cadre juridique, administratif, financier, des établissements et services socio-médico-sociaux, des organismes de protection sociale, voire des établissements de santé. Nous avons également une approche plus psychosociale, où là, on vous présente donc dans le module D la connaissance des publics du secteur médico-social, des besoins également, des usagers, des patients, des clients, des assurés ou des usagers d'un établissement de services sociaux médico-social. Le module C donc, est présenté donc, surtout en deuxième année, alors un petit peu 30 minutes par semaine en première année et plus particulièrement en BTS deuxième année avec la connaissance des prestations sanitaires et sociales et également des conditions pour en bénéficier. Ça veut dire que là, nos techniciens SP3S sont des administrateurs avec des compétences assez techniques et pointues pour tout ce qui est prestations de sécurité sociale, d'aide sociale, d'action sociale, mais également une découverte et puis une mise en pratique sur le lieu de stage de leur modalité d'intervention. Ce qui nous amène à des compétences assez précises et techniques dans tout ce qui est communication écrite, orale, visuelle, et puis des connaissances liées à l'éthique et au secret professionnel. C'est donc le module D, intitulé « Technique d'information et communication professionnelle ». On poursuit donc par deux modules, le E et le F, qui généralement sont des modules qu'ils connaissent peu ou pas quand ils arrivent. Alors après, ça dépend de leur filière, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Dans ce BTS-ci, donc le module E intitulé « Gestion des ressources humaines », qu'il travaille essentiellement en BTS deuxième année, et le module F, TGF, technique de gestion administrative et financière, qu'il travaille en première et deuxième année. Alors on va dire qu'en première année, on est plus sur de la gestion documentaire et autres compétences terminales. Et puis en BTS 2, c'est une réelle découverte où là, il travaille sur la comptabilité financière. Et puis autres, alors après, voilà. On en discutera. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le réaliser dans le chat, hein, donc on pourrait y répondre tout à l'heure. Nous terminons également donc, par un module intitulé « Méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social », où là, on va travailler plus particulièrement en première année sur de la méthodologie d'investigation, enquête par observation, par entretien, par questionnaire, et puis en deuxième année, sur tout ce qui est démarche de projet, démarche qualité. Ces connaissances, donc, les mettent généralement en application sur le lieu de stage, où ils sont amenés à réaliser des enquêtes de satisfaction, par exemple, ou des guides d'entretien auprès des usagers. Voilà. Donc, ce sont des compétences spécifiques. Donc, il y a 7 modules. Alors,
Ici, on va arriver donc maintenant aux qualités du technicien SP3S. Alors, c'est vrai que nous, ici, au niveau du lycée Jeanne Duhanneau, ou autre établissement certainement aussi, mais on apprécie à ce que nos jeunes soient curieux, motivés et à l'écoute. Alors, curieux, la curiosité intellectuelle est très importante. Ici, au niveau du BTS, les notions travail en cours sont très élargies. Ce pourquoi on leur demande bien souvent de parfaire leurs connaissances par des lectures diversifiées. Ou autre, des revues de presse aussi qu'on réalise. Alors la motivation est un enjeu primordial pour la réussite de ces 2 années de BTS. C'est vrai que quand je dis que c'est un BTS avec une finalité administrative, il faut vraiment prendre conscience, et ça je l'ai déjà dit, qu'il n'y avait pas de soins, pas peu ou pas d'accompagnement. Alors on en a hein, de l'accompagnement de l'usager et du patient. Mais retenez bien que l'administration est un... Oui, enfin, est une compétence travaillée au cours de ces 2 années qui sera la finalité finalement de ce BTS. Et puis l'écoute, mais oui, parce que nos jeunes techniciens SP3S travaillent en étroite proximité avec des professionnels de santé, des partenaires institutionnels, mais surtout des usagers, des clients, des patients ou autres, hein, profils, des assurés sociaux. Ce pourquoi l'écoute est quand même une des qualités très très importantes pour satisfaire les besoins des individus. Voilà, donc là, au niveau de la présentation du BTS en soi, on a vu donc les modules d'enseignement. Je vous ai également évoqué quelles étaient les compétences terminales du BTS. Maintenant, parlons recrutement. Nous sommes dans la pleine période de recrutement, enfin au moins de candidature sur Parcoursup. Il s'agit ici d'un BTS de l'éducation nationale. Nous avons au sein de nos formations donc différents profils, donc des élèves qui sont issus de bac pro, SSP, SAPAT, SPBL. Nous avons également des lycéens, enfin des bacheliers issus du bac C2S, STMG. On a eu un petit peu de STAB également. Et puis d'enseignement général, ES essentiellement, très peu d'EL et très peu de scientifiques. J'ai certainement oublié d'autres profils, mais néanmoins, sachez que tout profil peut être intéressant, parce qu'on a également des étudiants qui sont issus de L1, L2, très souvent de psycho et de sociaux, qui cherchent à se réorienter. Voilà, au niveau des profils types de nos étudiants. À ce jour, donc depuis le 20 janvier, vous pouvez candidater sur le site Parcoursup. Vous bénéficiez donc d'informations complémentaires pour candidater au BTS SP3S et les attendus de la formation des enseignants, donc de toute l'équipe enseignante et de la direction du lycée Jeanne Delannoy. Vous avez donc un dossier de candidature, mais vous serez également convié à une réunion collective, mais également de recrutement, quelque part, avec un entretien de motivation avec des responsables, des membres de l'équipe enseignante, voire des responsables de la formation, qui donnera lieu à, finalement, une première visibilité pour le jeune des attendus de la formation, et puis pour valider ou pas, finalement, le choix de leur formation, et puis pour nous, d'avérer le fait qu'ils soient très motivés par la formation, le BTS SP3S. Voilà. Donc, la phase de recrutement, c'est Parcoursup. Alors, les secteurs d'emploi, ils sont multiples ces secteurs d'emploi. Là, je vous ai mis un exemple de structure, mais néanmoins, retenez qu'il y en a énormément d'autres. Alors, les jeunes peuvent travailler aussi bien dans le domaine de la protection sociale, travailler au sein des CPM, des CAF, des CARSAP, des pôles emploi, du conseil départemental ou autres structures, mais... Je dirais que beaucoup travaillent également en établissements et services sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux. Alors là, je vous en cite que 4, mais il en existe une multitude. Ça peut être des CCS, les CLIC, les ESAT, les IME, les EHPAD, ou alors tout simplement les structures développement des services à la personne. Alors je vous ai mis, sans faire de publicité, la DMR, O2, Domidom, Angéli Service. Ce sont des structures qui se trouvent sur le Choletais généralement. Voilà. Quels que soient les secteurs d'activité, on se rend compte que nos jeunes peuvent travailler, donc on l'a dit, en étroite proximité avec des professionnels, mais également avec des usagers, que ce soit la famille, les enfants, que ce soit les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou autres publics. C'est vrai qu'au cours des stages, nos jeunes ont
cette facilité, on dirait de, enfin je dirais de choisir le public auprès duquel ils souhaiteraient travailler, de valider ou invalider leur projet professionnel. Donc c'est vrai que les stages sont une réelle opportunité, soit pour appréhender un public, découvrir les missions du technicien SP3S, mais néanmoins pour également pour découvrir les missions, hein, ça peut être, comme on va le voir tout de suite, des professionnels tels que des responsables de secteur en aide à domicile, tels que des gestionnaires conseils dans la protection sociale, des coordinateurs d'activités sociales, soit auprès des personnes âgées, soit auprès des personnes en situation de handicap ou en situation d'exclusion. Voilà, donc là, on vous a mis trois métiers, mais c'est pareil, le BTS SP3S, au travers de la poursuite des études réalisées par nos étudiants, eh bien, ils vont s'ouvrir différentes portes, finalement, et déboucher s'ils souhaitent une insertion professionnelle dans un secteur particulier. Alors, globalement, sur une formation de... Alors, on a 35 étudiants hein, par classe. En moyenne, au niveau du recrutement, on est entre 150 et 200 candidats qui postulent pour intégrer le BTS SP3S au lycée Jeanne d'Ulanou. La finalité, pour près de 50% des étudiants à l'issue des 2 années de formation, c'est quand même de poursuivre leurs études en licence professionnelle. Alors là, on vous en cite quelques-unes. Coordination de projets d'animation et de développement social, gestion de l'habitat social, métier de la retraite et de la prévoyance, gestion des ressources humaines et encore bien d'autres licences. À ce jour, donc oui, on va dire que près de la moitié de la classe arrive à intégrer des licences professionnelles, mais ils sont bien conscients qu'il faut impérativement être mobile pour poursuivre leur licence. Donc généralement, on en a très souvent qui partent sur Lille, Alençon, Guingamp, Périgueux, Bourges et autres grandes villes pour poursuivre leurs études. Une autre partie de nos étudiants, eh bien, tout simplement, poursuivent et s'inscrivent sur Parcoursup pour se présenter au métier d'assistant de service social ou d'éducateur spécialisé. Je dirais que globalement, l'insertion au niveau de ces formations-ci est facilitée après une ou 2 années de BTS SP3S. Voilà, donc là, aujourd'hui, on vous a présenté les compétences, on vous a présenté les modules d'enseignement, on vous a présenté également, donc, en plus des modules d'enseignement, les différents débouchés. Il faut savoir que, alors c'est vrai que les temps aujourd'hui ne le permettent pas, mais nous avons bénéficié ces dernières années de séjours pédagogiques avec nos étudiants et ces séjours pédagogiques, notamment les lieux de visite tels que Berlin, Rome, voire Prague, ont été choisis de concert avec l'enseignante de culture générale qui, elle, s'applique à faire du lien avec la thématique culture générale telle que, je vois par exemple en 2016, nous sommes partis à Berlin, étant donné que le sujet d'enseignement traité au cours des 2 années par notre collègue était lié aux souvenirs. Voilà. Donc là, en 2020, pas de voyage pédagogique. Nous espérons fortement que dans les... peut-être cette année, mais au moins les années à venir, on pourra poursuivre cette dynamique qui est très importante pour nos jeunes. Voilà. Notre présentation est dorénavant terminée. Je vous incite très fortement à nous poser des questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas, ce diaporama est également visible en replay dès lundi ou mardi. On va tâcher de répondre à vos questions s'il y en a donc ce matin. Il n'y en a pas forcément. Alors peut-être une liée au coût. Donc le coût, c'est environ alors à peu près 900 euros l'année. Vous pouvez avoir le statut de boursier de l'éducation nationale. Et puis également, il y a toute une petite liste liée au logement. Alors l'avantage du lycée Jeanne d'Ulanou, c'est qu'il se situe quand même au niveau de la gare routière donc de la ville de Cholet, donc à 5 minutes à pied, ce qui fait que nos jeunes qui arrivent d'Angers ou d'autres villes accèdent très facilement à l'établissement. Nous avons un autre avantage, c'est que les jeunes bénéficient d'une restauration liée au restaurant universitaire avec un coût aux alentours de 3,25 €. Cet établissement donc, où ils peuvent déjeuner se situe à 5 minutes à pied.
Donc voilà, essentiellement les questions qui ont été posées ce matin, ce pourquoi donc on essaye d'y répondre. On vous souhaite une excellente journée, on vous remercie pour votre participation et donc excellent week-end, à très bientôt. Merci.